comprend les nombreux mécanismes par lesquels se construisent et se maintiennent des fondations cérébrales solides chez un enfant en développement, l'un d'eux étant ce que les experts appellent des interactions de type service et retour. Voyez cela comme un match de tennis entre un enfant et l'adulte qui en prend soin. Toutefois, au lieu de s'envoyer la balle, ils communiquent de diverses manières. Par exemple en se regardant, en se touchant, en chantant ou en jouant à des jeux simples comme coucou. The child serves or indicates they're interested in something. The adult who's attentive to that child returns that interest and that ramps up the child's enthusiasm and they do the activity again. So when they're learning to read, the child shows an interest in a book. The adult sees that and reads to them. The child gets all excited and tries reading back. And then the child's using those circuits that underlie reading over and over again, driven by the enthusiasm of the interaction with the attentive adult. La réponse de l'adulte et l'attention que l'enfant reçoit lorsqu'il met en pratique certaines compétences sociales, émotionnelles et physiques contribuent grandement à susciter sa motivation à apprendre et à répéter certaines actions. The child gets positive feedback from the adult and they try harder, so they're using that circuit again and again. That circuit will really be sturdy and will form a sturdy architecture for later life function. Les adultes doivent interagir activement avec l'enfant pour renforcer les circuits dans son cerveau en développement. Les activités passives prolongées, comme un enfant laissé seul devant la télévision, ou un manque d'interaction comme un parent qui prend son enfant sans le regarder, ne permettent pas l'établissement d'une architecture cérébrale solide. Without serve and return, attentive adult interactions, the child's much less likely to undertake a lot of these activities and their brain won't develop as well. Les interactions de type service et retour répétées tout au long de la petite enfance sont les briques qui formeront des fondations solides propices au développement à venir.